Et voilà là, nous la saline. Et nous la saline, c'est toujours même cas de figure là. Et là, nous capables de marquer un gros trailer qui est trop beau et belle sous lit. Et bien, il barre toute zone là, la saline là. Et nous capables de tout, nous remarquer douane là lui-même, il est fermé. Il est fermé. Et bien, nous capables de dire, c'est un Port-au-Prince qui est levé. Et très bouleversé. Et pour matin, hein. Et nous capables de mouvement ça, c'est Genève en famille alliée. Yo même qui, dans tête mouvement ça, yo mandé départ PM Ariel Henry. Et yo même tout. Et yo dit que pas qu'il n'y a aucun accord politique avec PM Ariel Henry. Inspection générale la police là. Et comment ça y est? Nous capables de dire puis bah n'a regardé c'est un camion gaz et qui barre Carrefour Aviation et derrière camion gaz ça nous capables de remarquer trois chars blindés la police. Et trois chars blindés ça y est, nous capables de dire gagne une c'est soit l'autre de eux c'est Simo qui l'a dedans. Et circulation li fermé, donc inspection générale la police ça li fermé et derrière gros trailer gaz là c'est caoutchouc qui a boulé. Et blindé au même, yo campé étalé, t'as gagné détonation, mais qu'on y a, yo font poser. Et si on l'a eu pour tout le monde, qui levé tête en bas matin, eh bien, Genève, en famille alliée, c'est au même qui des mouvements ça. Et y a demandé départ PM Ariel Henry. Et monsieur, fait qu'on n'ait pas pris aucun accord politique qui possible avec Ariel Henry. Eh bien, tout amis, les nouvelles, yo. Et nous, dans la rue, pour nous permettre de vivre comment ça. Voilà, là nous sommes dans la rue, c'est toujours le même cas de figure là. C'est gros camion qui croise dans la route là, c'est caoutchouc qui a boulé. Et c'est tout dans la rue. Et arrivé pour t'aider au gars là. Eh bien, la rue a lui-même li bloqué, c'est balle qui a tiré. Caoutchouc a boulé. Alors nous suivons ensemble comment ça arrive. Thank you.
C'est barricade, c'est caoutchouc à bouler et cartouche par jambes, c'est pour une fine chantée. Eh bien, nous-mêmes, nous présents, nous venons faire vivre comment ça. Ça me parle de trois points. Premier point, c'est question qui relative à sacrer la présomption d'innocence. Et il va faire un débat en dans la société. Et moi-même, comme avocat, dans le niveau cadeau, nous obligé de venir avec parce que dans plus de monde qui est victime de ça. Dans plus de monde qui tue tête, parce que la police a arrêté un arrimage. Au sortant de ces, un chef de gang qui a arrêté, un bandit qui a arrêté, il prend plusieurs hommes ensemble en fait. Nous devons comprendre que je dis là, leur arrêt ton monde, depuis la police arrête ton monde, pour montrer au peuple qui travaille, la police a fait photo et puis publier sur les réseaux sociaux. Qui était coupable ou pas.
nous-mêmes comme avocats, nous prenons le contre-pied par rapport à agissement ça, parce que l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme interdit ces pratiques. Nul ne peut être déclaré coupable pas avant qu'un jugement n'ait été rendu par un tribunal compétent. C'est ça la loi dit. Le la police arrête un monde, faut la police en prudent pour ne pas porter atteinte à la liberté individuelle, à la garantie judiciaire. Maintenant, on va imaginer au final ton monde, ou dit monde dans bandit, ou prend photo, le PNH, etc. Mais bandit, ou même côté, oui. Et puis le juge arrive, le juge n'a pas été aucun lien avec ce dire. Maintenant, qui réparation pour le bain Moussa? Est-ce que vous êtes au courant de qui dévastation fait dans la vie Moussa? Vous connaissez bien jusqu'à présent, pas qu'à jouer un travail. Parce que il a arrêté, il n'y a pas de rien. Quand on est pour se arrêter pour la vache non devant la calle arrêté, la police dit bandilier dans le gang de Marozo. Le juge de paix et le commissaire de commissaire dit pas rien. Maintenant, jusqu'à présent, pas qu'à travailler parce que il a été ouvert sur la télévision, il a été ouvert dans la police, il a été ouvert dans la photo, dit c'est bandilier. Et en dans la police, il y a une section que les droits humains. La présomption d'innocence est une garantie judiciaire. C'est un droit fondamental. Et Léon Charles, si Léon Charles persistait à pratiquer ça, nous-mêmes comme avocats dans le cadeau, nous prenons, faisons ça au relais, nous prenons déposer plainte dans l'IGPNH pour le directeur général là, pour atteindre à la liberté individuelle. Ça. Et il faut comprendre que dans pile monde qui est victime, dans pile monde qui part à marcher dans la société, à filio, à de gang comme ça, pendant que vous n'avez rien, si vous tuez socialement, vous retirez sous scène, et vous n'avez jamais rien dans la vie encore. Tandis que dans l'autre pays, même terroriste là, oui, le arrêté terroriste là, français a un mode, li brouiller l'image là. Pour faire que vous n'avez pas paraît, vous respectez la garantie judiciaire. Pour que ça nous-mêmes, nous pas faire le même genre tout en Haïti. C'est parce que nous pas respecter la loi, nous pas respecter garantie judiciaire. Objectif nous, c'est détruire le monde, c'est finir le monde pour montrer à notre patron qu'on est en train de travailler. Et le collectif des avocats s'insurge contre ces pratiques parce que c'est inacceptable, c'est inadmissible qu'en plein 21e siècle, pour que les valeurs humaines soient bafouées, soient violées à tout champ. Et ça que nous dit Léon Charles, faut qu'il passe l'autre formel à l'autre policier, l'autre gros chef qui travaille en de la police, pour que le arrêtons mon cougna avant que yo publie pour yo faire en sorte que yo brouiller image pour pas détruire mon nan socialement, parce que le fait ça ou pousser mon à tuer tête, même qu'on est qui tuer tête tout ça. Nous même comme avocat, seule aide nous capoter par mon sens, c'est dénoncer pratiques ça parce qu'elles sont contraires à la loi. Elles sont contraires à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elles sont contraires aux droits et à la Convention relative aux droits civils et politiques. Nous ne sommes pas d'accord pratique ça. Nous, même au niveau collectif, dénoncer et c'est rôle nous comme organisme de droits humains pour nous relâmer les violations de droits humains, pour nous relâmer les violations de liberté individuelle. Deuxième point, c'est question de l'état d'avancement du dossier d'Abelson Gounègla. Le dossier d'Abelson Gounègla, l'ordonnance sera rendue la semaine prochaine. C'est ça doit rien dire. Nous-mêmes, nous pas contre qui ça doit rien dire, parce qu'il y a des ordonnances qui sont relaxées, il y a des ordonnances qui ne sont pas compétentes. Bon, ça, c'est doyen. Mais, il y a un débat en dans la société là, qui débat lié. Grand pile acteur qui a signé un corps politique, ou après nous-mêmes, dans l'ambassade, ça a nous demandé libération prisonniers politiques comme une point qui a supposé faire partie de feuille de route. J'aime toujours dire. Seule façon pour un prisonnier politique là qui est la Kounia sont accords politiques. C'est moun qui va le président, moun qui va le premier ministre et organe de transition ou bien OCT, organe de contrôle supposé bail comme point une feuille de route qui va gagner libération prisonnier. Mais libération prisonnier politique, faut faire un gens pour pas créer représailles. Parce que pas calmement de libération prisonnier politique. Pendant que les procédures, les garanties judiciaires ne sont pas respectées, l'homme vient faire tout le monde qui est en prison, son état va lever quand on va demander de tout le monde. Un bon exemple, le dossier d'Anne Belizère, qui est objet d'un pouvoir en cassation,
Seul un président peut nommer un juge de la Cour de cassation. Vous entendez? Il n'y a pas de président de la Cour de cassation pour statuer sur le dossier dans les Belizières. Ça, c'est une méchanceté. Mais quand il y a un acteur, Abel Sombonek, qui lit en Belizère, acteur, président Calvinien, culte XY, le chita puis on entend le dire. Donc faisons de la libération des prisonniers politiques notre priorité. Nous-mêmes, comme avocats, c'est sans demander. Pendant que je travaille pour Abel Sombonek, les procédures se font. Mais écoutez, vu l'instabilité politique, je suis obligé de demander aux acteurs de prendre leurs responsabilités également. Parce que pas qu'à dire ou pour venir avec un nouvel air, un nouveau souffle, sans qu'on pas penser à mon qui est en prison. Ou pas qu'à dire ou pour venir avec et va essayer à saigner les revendications du peuple, sans pas mettre en question la libération des prisonniers politiques. C'est très important pour nous. Et nous-mêmes, dans le niveau cadre, ce n'est pas libération des prisonniers politiques seulement, mais tout le monde qui est en prison, tout le monde qui a coupé en prison. Et nous avons fini pour nous dire que, et avant qu'il y ait le troisième point, nous avons fini pour nous dire que les conditions de détention restent toujours inquiétantes. Et j'aime des dernièrement, nous avons salué la décision de délocaliser le palais de justice, mais nous avons toujours été sous soif, nous, parce que nous avons jamais qui a organisé l'assistance criminelle. C'est ça notre thème. Cadeau sont structure de droits humains, et Wallou, c'est goumé pour le respect des libertés individuelles. Depuis ce côté qui viole ce droit, mon cadeau toujours là. Ou après, question de présomption d'innocence, cadeau parler, c'est parce que ça fait trop impact en dans la société. Gon demoiselle de 18 ans qui a arrêté dans la question de ma 75 ans. Il a publié photo. Si mon nan honte, parce qu'il a dit, même madame tel, même madame dit, même madame X, madame Y. Ou même qu'il a arrêté mon nan, gon petit, il a arrêté, puis il a pris photo. Il a mis sur Twitter. Avec et logo madame volé madame Bonzi. Est-ce qu'on t'a content consacrer les présomptions d'innocence côté-là or que haïtien li ratifié en France yo bouyer image moun yo les passe en télévision yo bouyer image moun yo juste pour respecter garantie judiciaire pour que ça nous même pas faire ici et bien dans ce sens nous comme avocat nous dit que si le DG Léon Charles persiste et signe avec cette pratique nous bon garantie que sous peu nous va déposer plainte dans l'IGPNH contre le haut état-major de la police. Et nous avons fini pour nous dire que le dossier Yannick Joseph là, il va faire surface parce que et Yannick Joseph et Elder nous va faire un habeas corpus pour tous les deux parce que ils ont une situation difficile, ils n'ont pas qu'à circuler. Et rapidement, il y a une question ça qui passe Montana. Et permettez-moi de dire que ça qui passe Montana est un mauvais signal. Il lance un mauvais signal dans l'international. Et nous sommes objet de la ridiculisation de la part de plusieurs personnes. Monsieur actuellement là, il a kidnappé deux mondes. Il a demandé $1,000,000 comme rançon, il a demandé $1,500,000 comme rançon. Même si le chauffeur a fait 100 ans en ville de travail, mais il a touché 25 000 gouttes, il ne peut jamais faire comme ça. Et ceci, l'autre monde, tout l'autre monde qui a kidnappé par les noms. Moi, je pense que là, nous venons dans une situation de bataille pour pouvoir, c'est Rio Rio. Là, nous avons bataille pour pouvoir comme ça, c'est les gens qui sont victimes de cracher sur Figuier. Les gens qui sont à la manifestation de cracher sur nous, nous ne savons rien. Les gens qui perdent du pied, perdent du jet, perdent du bras, prennent du gaz, qui mouillent en bas de la police, qui mouillent militants chez Massieu. Militants qui sont victimes, qui prennent banane la police sous chez Massieu. Là, nous arrivons comme ça dans la bataille pour un accord, pour signer son accord, c'est tout le monde qui crache. Moi, je pense, monsieur, que là, on n'est pas à la bataille politique. Il est venu un moment de poser les vrais problèmes du pays. Il faut faire ce qu'on appelle un dépassement de soi, une transcendance. Parce que Blanc a pensé pour 2050, 2100, nous-mêmes, on a pensé pour 2022, on a vu qu'il est, on a bon Diri, qu'il a bon BM, qu'il a bon Land Cruiser, on Range Rover, on Wrangler. C'est où ça n'a pensé. On a toujours dans le même sanier là. Si par exemple des acteurs politiques qui émergent, on a prôné l'autre vision, l'autre politique, on l'autre jeunesse qui a une politique de développement durable, c'est sans besoin. Nous pas qu'en 2021, pour nous, au niveau au tribunal fermé, c'est inacceptable. Haïti devient un enfer, il faut changer les conditions de ce pays parce que le peuple haïtien, bouclé depuis 86 à Kounia, c'est les mêmes choses. Les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Monsieur, prends conscience que le moment n'est pas venu pour une bataille politique, c'est pour nous poser problème pays. PIB nous pas bon, revenu per capita nous pas bon, indice de développement humain nous pas bon. Espérance de vie en Haïti, vous n'avez 50 ans, stress tellement tout mouillé avant ça. Il faut changer de politique pour le pays parce que le peuple haïtien veut respirer un nouvel air. Merci beaucoup. Merci pour ton question.